C'est une résidence de territoire qui a lieu sur la communauté de communes de Tannes-Cernay, réalisée par la compagnie On nous marche sur les fleurs et financée par le festival Les Fenêtres de l'Avent qui a lieu tous les mois de décembre à Uffels. Ce sont 6 artistes, une comédienne, une vidéaste, un auteur, un photographe, une danseuse et une traductrice en langue des signes qui proposeront un maximum d'échanges, de rencontres avec le public autour de la thématique « Notre lien intime, notre lien politique au mensonge et à la vérité » dans le cadre de la prochaine création de la compagnie qui est une adaptation du roman de Laurine Roux, « Le Sanctuaire » aux éditions Le Sonneur. Pour un maximum de publics différents sur le territoire de la Comcom, des élèves de primaire, des lycéens, des personnes autistes, des usagers des différents marchés, de Tannes, de Cernay, de Vattevillers par exemple, des personnes sourdes, des résidents d'EHPAD, entre autres. Pour explorer ce thème, nous proposerons entre autres des discussions ouvertes, collectives ou individuelles, des ateliers de pratique artistique, de l'écriture, du théâtre, de la danse. Nous proposerons également la réalisation de portraits photos avec un photographe professionnel, ou encore la découverte de citations d'auteurs célèbres, de philosophes qui ont réfléchi sur ce thème et une réflexion à partir de ces citations. Toutes ces rencontres donneront lieu à la création d'un spectacle spécifiquement pour l'ouverture du festival Les Fenêtres de l'Avent, le 1er décembre, à Uffels. L'idée de ce spectacle, c'est de retrouver un maximum de visages, de réflexions, de voix qu'on aura croisées pendant cette résidence. Et le spectacle proposera, parmi le vocabulaire artistique qu'il déploiera, la langue des signes, puisqu'il sera entièrement signé. L'exposition photo des portraits sera également présentée pendant toute la durée du festival. Pour des personnes sourdes qui auraient envie de participer à ce projet et de nous rencontrer, nous vous proposons un temps de discussion et d'échange ouvert le 18 novembre à 15h au café L'Abri Mémoire à Uffels. Donc surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et bien entendu, comme tous les participants du projet, vous serez invités à passer la soirée du 1er décembre avec nous pour partager le spectacle qui aura été créé.